Bonjour tout le monde, c'est Axe45 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Football Manager 2011 où nous étions laissés donc sur le premier et deuxième épisode puisque je l'ai coupé en deux. Hein, parce que une heure de vidéo en une fois ça faisait quand même pas mal. Je me suis dit je vais le couper en deux un peu à la barbare. Tant pis, donc je vais essayer de faire des épisodes de 20-30 minutes, hein, ça dépendra des fois. Donc j'ai oublié une chose assez importante la dernière fois, en fait c'est tout simplement au niveau des matchs amicaux. Alors pourquoi? Pourquoi les matchs amicaux? Eh bien tout simplement pour une seule chose, tout bête, non c'est pas par le calendrier, c'est peut-être dans l'équipe, ça doit être du calendrier, mais ce calendrier là, voilà, c'est pas le même calendrier. Vous pouvez voir ici donc les matchs, le type de match, match amical. Et match de national, donc ça c'est les matchs officiels qui me rapporteront des points ou non. Et ça c'est les matchs en fait pour que vos joueurs soient prêts et c'est bien. Donc là je vois, j'ai un match contre Saint-Lô en extérieur, donc celui-ci, en fait vous pouvez voir, je peux annuler les matchs. Donc je vais annuler, et les petites équipes, je vais les annuler tout simplement. Alors, lui et lui là, je vais les annuler aussi. Pourquoi? Je vais vous montrer. Tout simplement parce que déjà c'est des matchs en extérieur, enfin il y en avait un, c'était un match en extérieur et ça c'est des petites équipes. Donc quand c'est des petites équipes, bah en général on gagne moins d'argent. Donc c'est pareil, ceux-là je vais aussi les annuler. En fait je vais annuler tous mes matchs amicaux. Et ensuite je peux décider d'organiser des rencontres de matchs amicaux. Donc Saint-Lô, Orléans, amical annulé, nanana. Tout simplement pour une seule petite chose, en fait c'est qu'on peut gagne de l'argent quand on organise un amical. Donc regardez, ici je peux voir toutes les dates disponibles avant le championnat, donc comme j'ai tout viré ça me laisse pas mal de place. Donc toujours garder un quelques jours d'écart entre les matchs. Donc bon bah admettons là on est le premier, allez, on va dire disons un match le samedi 3. Match amical, ça c'est sympa, domicile, toujours domicile. 90 minutes seulement, après bon, moi, je vais bien mettre les tirs au but aussi, ça change pas grand chose. Ensuite vous pouvez regarder les équipes de très grande réputation, de grande réputation, réputation équivalente, faible réputation, les équipes à l'étranger. Bon, moi je vous conseille de regarder d'abord grande réputation, enfin très grande réputation, arrêtez-vous là. Ensuite après vous pouvez toujours regarder celle de l'étranger. Donc, vous pouvez voir, je peux jouer FC Metz, le stade Malherbe de Caen et Angers. Et vous pouvez voir ici 2K, alors K ça équivaut à 1000. Hein. 2K, 3K et 3,5K. C'est le prix que je devrais payer pour que l'équipe vienne. Donc je vais cliquer dessus par exemple pour FCMS. Pardon. Le comité directeur estime que le club recevra environ 22 000 euros pour ce match amical. Une somme de 3 500 sera versée à l'équipe pour sa participation à ce match amical. Alors bon, ça c'est environ et ça c'est le prix exact. Donc vous voyez, pour 22 000 obtenus, j'aurai de 3 500 à dépenser. Donc vous regardez, je gagne à peu près 19 000 euros. À peu près. Ensuite, il faut comparer avec les autres équipes. Là j'ai Caen, c'est 28 pour 3000, donc c'est vachement plus intéressant. J'ai Angers, c'est 7000 pour 2000, donc c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc, ce serait plutôt Caen. Après il faut toujours aller voir, donc Vannes, 4000, 3000. Bon, j'aime bien regarder un peu, donc 2500, a priori ce serait plutôt l'équipe que j'ai vue avant. Donc là, faut pas tout faire, parce que voilà, après les équipes de très faible réputation, regardez, je vais regarder, là, USM Olivet, 500 euros, voilà, je recevrai 1 million, enfin 1500, pardon, pas 1 million 5. Santa Fe, je regarde juste quelques instants. Oui, excusez-moi, un petit problème technique. Ouais, donc j'aurais utilisé, donc il y a Olivier, donc après, bon, c'est pas rien. Mais les équipes à l'étranger, en général, on gagne moins et on doit les payer plus. Hein, vous voyez, là, si je prends la plus chère, là, hop, là, reviens là. L'Union Espanola. Je reçois 3000 et vous payez 16 000, donc c'est plus une arnaque, vous perdez plein d'argent, vous savez que vous en gagnez très peu. Alors je crois que le pire, voilà, c'est des équipes de très faible réputation. Vous prenez ouais, celle-ci qui a 14 000, Nagacorp 2000 pour 14 000. Bon, c'est presque mieux. Vous pouvez choisir contre jouer contre les jeunes et contre la réserve, vous choisir son équipe personnalisée, enfin l'équipe personnalisée, l'équipe vraiment qu'on veut. Après, vaut mieux faire dans ce qui nous propose. Donc, bah, le plus avantageant, c'est le stade Malherbe de Caen. Donc, écoutez, je vais proposer donc là une petite date pour le stade Malherbe de Caen à domicile le samedi 3 juillet. Donc voilà, je vais confirmer ma requête. Et d'ici peu de temps, je vais avoir une réponse. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Il va falloir qu'ils me donnent leur réponse assez rapidement. Je vais donc organiser un autre amical. Alors, je vais vous montrer un peu. Donc là, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est incertain.
Vous voyez que j'ai quand même pas mal de temps disponible. Alors après, ce que je peux faire, c'est organiser une coupe aussi. Et moi, je me souviens, c'était pas sur ma première saison avec Orléans. J'avais déjà fait une saison, donc c'était ma seconde saison nationale parce que bon, j'étais resté. Parce que j'ai joué sans cheat. J'avais fini dans le 12e du classement, je crois. Enfin, sans cheat. Quasiment aucun, disons, j'évite les blessures à 2 mois. Voilà quoi, ça, bon, voilà. Je rejoue le match, puis bah, après le score, je gagne. Alors que j'avais perdu, bah, tant mieux. Puis si je perds alors que j'avais gagné, bah tant pis. Hein, voilà, je suis vraiment comme ça. Ou alors quand je suis dans la zone rouge et que je sais que je vais descendre, là, bah, forcément, je triche un peu pour ne pas descendre. Attention, en CFA, hein, de la nationale à CFA. Si je passe de Ligue 2 à nationale, bah, évidemment, c'est des choses qui arrivent. Donc je vais laisser quelques jours de repos. Donc là, vous voyez, hein, donc une semaine. Je vais mettre au dimanche, ouais, on va dire le dimanche. Et je ne vais pas non plus faire un match amical, mais je peux choisir de faire un championnat à plusieurs équipes, une coupe ou une tournée. Alors une tournée, c'est casse-pieds parce que c'est, vous voyez, ça vous bouffe pas mal de temps. Il faut choisir le pays, enfin bon, bref, les adversaires qu'il y a dedans. Une petite coupe, c'est bien sympa. Choisissez quelques équipes. Donc là, j'ai Toulouse, j'ai Angers. Alors Toulouse, je recevrai 26 000 pour 3 500. Angers. 5 000 pour 2 000. Bon, bah déjà, je vais prendre à Toulouse. Choisir les autres équipes. Les équipes de grande réputation. Pau, 28 000. Ah oui, non, mais attendez, c'est toute équipe confondue, ça. Si je choisis de mettre deux fois Toulouse. Pau. Oui, prime 3 000, 3 500. Je devrais dépenser 7 000. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Aurillac, 3 000 aussi. Attendez, je vais prendre l'AS Cherbourg, c'est 1000. Ce serait 28 000. Ah oui, il faut que j'arrive à montrer. Décidément, c'est pas pratique ça. L'AS Cherbourg, alors je vais en mettre une autre. Je vais mettre Angers. Voilà, 30 000. Vous avez pu voir, le chiffre a changé. Donc, c'est voilà, c'est une addition. Voilà, je vais y arriver. Donc, on était à 28 000. Hein, si on regarde comme ça. Donc, Vasque Hall. Parce que Al, ils me font gagner. Ils me font gagner rien du tout. Attends, si je mets la réserve, ça me coûte rien. Donc là, on va rester à 0. Puis je vais pas payer mes propres joueurs, faut pas déconner non plus. Donc 28 000, 28 000, là ça bouge pas. Hein. En fait, ça bouge pas du tout. Angers, on passe à 30 000, alors que si on met Pau, 28 000. Ouais, bon, c'est pas très très avantageux. Donc je vais mettre une équipe de très faible réputation. Que je vais payer des clopinettes dans 30 000, ça m'intéresse pas. Sachant que plus une équipe a une autre réputation, bien entendu, plus elle est censée être forte. Donc on va éviter. Je vais essayer de mettre une équipe Saint-Jean-Vite-Sport, tiens. Ouais, non. Non, non, c'est. Ouais, ça, c'est. En fait, on dirait pas comme ça, mais c'est assez compliqué. Je vais essayer de garder une équipe pas très. Voilà, Carquefou, c'est nickel. Je paye 1 000, ça me fait 5 000. Je devrais recevoir 35 000 euros pour cette compétition. Une somme de 7 000 euros sera versée aux équipes pour leur participation. Bon, ensuite, vous faites 35 moins 7. Hein, ça fait 28 000 euros de bénéfices. C'est pas mal. Alors, il faut que je donne un nom à cette coupe. Alors, on va l'appeler la Coupe des vacances. Parce que ça me fait plaisir. C'est parce qu'on est au mois de juillet. Ce sera la Coupe des vacances. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, match 90 minutes tir au but. Après, je peux faire match avec prolongation et tir au but. Alors, le problème des prolongations, c'est que ça fatigue plus vos joueurs. Alors, certes, pour leur préparation physique, c'est mieux. Mais le problème des prolongations, c'est que ça les fatigue plus aussi. Et donc, la probabilité qu'ils se blessent est plus élevée. Donc, j'ai pas envie de m'embêter. Ils vont jouer à 90 minutes. Si au bout des 90 minutes, il y a match nul, il y a des tirs au but. Sachez que j'avais quand même fini 3e sur mon petit tournoi. À quatre équipes où j'avais invité, donc il y avait déjà Toulouse, ouais, il y avait quoique, parce que, oui, il me semble que c'était Toulouse, Paris, le Paris Saint-Germain et ouais, non, c'était pas Toulouse, c'était Lens, Paris Saint-Germain et Saint-Étienne. Le premier match, j'avais fait, si je dis pas de bêtises, j'avais fait, bah, j'étais tombé contre Lens, parce que après c'est un tirage au sort aléatoire, j'étais tombé contre Lens, pardon. Donc j'avais perdu. Donc Lens était allé en finale. Et Saint-Étienne avait battu le Paris Saint-Germain. Donc je m'étais retrouvé contre le Paris Saint-Germain que j'avais battu pour la troisième place. Sans tricher, hein, j'avais gagné 2-1, je crois. Ouais. Bon. Non, c'était pas en prolongation, mais j'avais marqué en fin de match.
Donc ensuite, organiser amical. Vous voyez, j'ai déjà ça. Là, j'ai non attribué, non attribué, parce qu'il y a plusieurs équipes. C'est un tournoi. Et comme on ne sait pas encore qui va participer ou non, c'est un peu compliqué. Donc là, vous voyez qu'il reste quelques dates de disponibles. Donc là, ils seront quand même un peu fatigués. Donc on va en mettre une ici, le lundi. Ça leur fait... Ouais, non, le mardi, allez. Un match amical, sachant que ce n'est pas forcément les mêmes équipes. Là, je peux inviter Montpellier. Vous pouvez voir, c'est plutôt une bonne affaire. Parce qu'après, il faut que les équipes soient, faut que les équipes soient disponibles aussi. C'est là est le problème, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça, à une date près, vous pouvez vous retrouver avec des équipes plus ou moins fortes. Là, vous voyez, ce jour-là, il y a beaucoup de monde de disponibles. Lille, là, je peux inviter Lille. Donc 30 000, 3 000. Après, il faut regarder un peu. Hein, 40 000, 3 500. Montpellier, 35 000, 3 500. Donc pour le moment, ce serait plutôt Toulouse. Non, pas Metz. Stade Malherbe de Caen, non. Le FC Nantes, 30 000, 3 500. Le Stade Brestois, 14 000, bon, c'est pas très intéressant. Bastia, 7 000, bon bah on n'en parle pas. L'US Boulogne, 24 000 non plus. Angers, 7 000. CS dans Ardennes, 7 000. Et Stack 3, 14 000. Bon bah écoutez, je vais rejouer contre Toulouse, décidément, c'est... Ça va faire beaucoup. Bah tant pis. Écoutez, je joue deux fois contre Toulouse. 90 minutes seulement. 90 minutes. Et les tirs au but. Parce que j'aime pas trop qu'on finisse sur les matchs nuls comme ça, sur les petits matchs comme ça. Et puis c'est toujours sympa d'avoir les tirs au but en fin de match. Voilà. Alors après, est-ce que dans l'effectif, il me semble que j'avais déjà fait des transferts. Alors, des emplois proposés. Et des contrats proposés. Oui, bon bah écoutez, recherche au niveau du staff, il me semble que j'ai... Oui, non, c'est pas des recherches de staff que je vais faire, c'est information, staff, Trassa, Gouvea, Frappoli, Rossa, hop, ouais, bon ça fait du monde, ça fait du monde. Ça fait du monde, mais en même temps, j'en ai besoin. Et donc j'avais proposé des emplois, ok, bah c'est nickel alors. Je vais me débrouiller avec ça. Oui, si autre chose très très important que je n'ai pas fait dans la préparation de match. Préparation de match. Ah oui, j'avais pas fait les coups de pied arrêtés, mais ce qui me semblait. Je peux demander les rapports. Non, c'est en tactique, voilà, ce qui me semblait. En tactique. Donc là, il me manque un joueur, mais rien de grave, je changerai, ne vous inquiétez pas. Il manquait un R2, un défenseur droit et un R4. Oui. Mais bon, ils vont arriver tous les trois. Donc pas de panique. Pas de panique. Modifier les coups de pied arrêtés. Ensuite, il faudra aussi paramétrer pour chaque joueur son poste. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc introduction. Donc, ah non, j'avais déjà fait tout ça. Je l'ai fait en off ou je l'ai fait avec vous, je sais plus. Oui, non, j'avais déjà fait tout ça. Oui, donc c'est joueur par joueur que j'ai pas fait. Non, c'est pas grave. Hop, je vais passer tout ça. Ok, donc, alors je vous explique. Et là, ça devient compliqué. Vous avez là, ici, donc j'ai cliqué sur le joueur, et ici apparaissent les consignes individuelles. Alors bon, j'ai tous les trucs, tirant de penalty, coup franc, mais ça j'ai déjà fait. Donc, les consignes individuelles, je peux choisir s'il va jouer en tant que gardien de but ou gardien libéraux. Alors vous pouvez voir, les stats là, sont bleutées quand c'est des stats utilisées par... c'est des stats utilisées par ce type de rôle. Et la tâche également, puisque la tâche va influer sur certains personnages. Donc, un gardien de but. Donc, voyons voir, donc là il a 10, 10, 13, 8, 13, 12, 17, 11. Ok. Si je mets en libéraux, on passe à 10, 7, 7, 10, 13, 8, 11, 12, 7, 12, 17, 11, 11, 9. Donc après, est-ce qu'il n'est pas meilleur? Je sais pas, alors, il me semble que là ça change rien, c'est juste selon son style de jeu. Voilà, donc il faut bien que je regarde. C'est pour ça que je vais souvent entre-cliquer les trucs, hein, mais voilà, c'est assez important. Donc il est meilleur en gardien de but. Après, il y a aussi les trucs avancés, mais bon, ça, je ne vais pas m'amuser à y toucher, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus long. Vous pouvez voir la condition du joueur aussi, ici, hein, 83%. D'ailleurs, je comprends pas, ça voilà, copie de l'info générale. Parce que j'aime bien avoir mes petites choses à moi. Donc Joris Senati en tant que défenseur central. Vous voyez, il peut jouer en tant que défenseur central, défenseur relanceur, défenseur strict. Et en dessous, il y a la description de chaque type de joueur. Sachant qu'après, il y a aussi des sous-tâches.
C'est pour ça que c'est assez compliqué de paramétrer un joueur en définitive. Donc il faut d'abord regarder son type, son rôle et ensuite sa tâche. Donc là, en tant que défenseur central, il est plutôt pas mauvais. Hein. En tant que défenseur relanceur, il est moins bon, sans aucun problème. Donc défenseur strict, il a moins de stats, mais il perd des bonnes stats. Donc on va le laisser en défenseur central. Ensuite, on va regarder. Il peut jouer en stopper. Oui, il est plutôt bon en stopper d'ailleurs, si on regarde bien. Parce qu'il y a il y a 13 en courage et 13 en agressivité qui sont prises en compte. Plutôt des bonnes stats. Ou couverture, 12 et 11. Bah écoutez, je vais le mettre en stopper. Lui, il charge vraiment d'arrêter l'adversaire et c'est tout. Il va pas s'embêter là-dedans. Aussi, regardez, un truc tout bête, mais regardez l'âge de vos joueurs. Hein. Parce que plus un joueur est vieux, plus il va perdre en capacité physique. Et aussi, plus il est jeune, plus il va progresser. Donc il progresse juste autour de 23, 24 ans. En général, hein, après, maxi. Après, il progresse beaucoup plus lentement. Et après, quand ils sont un peu trop vieux, aux alentours de... Ça dépend du joueur en fait, mais vraiment à partir de 30 ans, il commence à régresser un peu. Quoi. Donc là, on a Senyati qui est paramétré. Ensuite, on a Michelot. Alors, Ludovic Michelot, lui, là. Si je dis pas de bêtises, lui, son meilleur poste. Et ça, c'est sans aucun problème le cas. Alors, il me semble que c'est défenseur central. Hein, voilà. Puisqu'il joue avec la tête, lui, il est très bon de la tête. Il saute pas mal en fait. Et lui, son meilleur rôle, si je dis pas de bêtises, c'est stopper. Voilà. Ouais. Stopper couverture, bon, il est pas très très bon. Défenseur classique, il est plutôt bon, mais stopper parce qu'il a 12 et 14. Donc voilà, on aurait deux stoppers au centre. C'est pas mal, ça permet d'avoir quelque chose d'assez équilibré. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, on passe à Grégory Thomas, donc lui qui joue à l'aile gauche. Alors, il me semble. Je sais plus, est-ce que j'avais pris un joueur pour mon passe. Bon, au pire, je changerai si j'en ai un de mieux. Donc oui, il a pas des stats dégueulasses, mais le problème c'est qu'il n'a pas des stats qui correspondent bien. Vous voyez, 10, 6, 8, 14, 10, 12, 11, 10, 14, 14. Alors sachez que par défaut, hein, le PC ne vous mettra pas la meilleure formation. Enfin, ou en tout cas, pas forcément celle à laquelle on pourrait penser. Donc bien regarder, bon, a priori en défenseur latéral, il devrait être meilleur. Oui, il est meilleur, sans aucun problème. Ensuite, on peut choisir ses tâches. Donc, soit il joue en défense, donc il ne monte pas pour aider ses coéquipiers. Il peut jouer en soutien pour venir centrer pour ses coéquipiers. Ou attaque, où il rentre carrément par l'intérieur sur les extérieurs et il rentre. Et automatique, en fait, il fait un peu de tout. Donc on peut passer, vous allez voir, si je passe de défense à soutien, il va gagner les centres. Donc le centre, bon, il est moyen, donc je vais le laisser. Et attaque, il va avoir les dribbles, et attendez, j'ai pas eu le temps de voir, les appels de balles, en automatique, vous voyez que ça change rien. Donc, moi je vais me laisser en soutien, je pense que c'est la meilleure chose à faire, j'ai regardé, oui, un latéral offensif, je vais chez direct. Voilà, donc lui il va rester comme ça, donc de l'onglet, lui il joue en milieu défensif, donc 7, 13, 10, ça risque d'être assez long comme ça, mais bon. C'est le temps de faire le truc. Hein. Faut bien préparer ses joueurs parce qu'en fait, on peut perdre des matchs bêtement ou légèrement augmenter sa stat d'équipe, tout simplement comme ça. C'est tout bête, mais ça vous prend un peu de temps. Mais une fois que c'est fait, je peux vous assurer que votre potentiel il est grandement amélioré. Puisqu'on prévoyait 18e au championnat national, donc en trichant à peine sur ma partie. Enfin, non, on prévoyait 18e, voilà. Sur 21, donc dans la zone des relégables, j'ai fini 11e ou 12e du championnat à la fin de la saison. Alors qu'on ne voyait absolument pas à ce niveau-là, parce que j'ai fait en sorte avec le staff, j'ai acheté et vendu des joueurs pour avoir une équipe de meilleure qualité, et j'ai paramétré les joueurs pour qu'ils soient le plus optimum possible. Tout simplement. Donc les marques, ouais, plutôt pas mauvais comme ça. Meneur de jeu en retrait. Différence. J'aime bien cliquer comme ça, un peu n'importe comment, pour bien revenir et voir un peu toutes les stats. Vous voyez, milieu défensif, il est meilleur quand même. Là, en milieu libéraux, il est pas mauvais, mais... disons qu'il perd sa stat de 15 d'endurance, quoi, qui est plutôt bonne. En tant que milieu défensif, là, il gagne les têtes. Là, il prend l'anticipation... Donc on a 14, 13, 13, 11, 14, 12. 14, 14, 13, 11, 12. Ouais, bon, ça se voit. Donc je vais laisser en milieu défensif. Et ensuite je peux regarder si je le mets en soutien ou en défense. Vous voyez, 13 ou 13. Je pense avoir des bons milieux de terrain. Je vais plutôt le laisser. Enfin, des bons milieux de terrain. J'ai des milieux de terrain, donc je pense plutôt le laisser en défensif. Mathieu Ligoul.
Mathieu Ligoul, lui, normalement, c'est un remplaçant. Ce sera mon remplaçant 4. Si je dis pas de bêtises. Dans le doute, je vais le paramétrer. Une fois que j'aurai de nouveaux joueurs, je referai ça rapidement. Du coup, j'ai beaucoup moins de joueurs à faire. Et on ne peut pas faire pour les remplaçants. Voilà. Donc sachez qu'en fait, quand vous déplacez un joueur, il récupère le rôle et la tâche de joueur qui était là avant. Donc alors après, il y a la technique de joueur change à chaque fois, mais franchement, c'est long et fastidieux. Alors moi, je préfère laisser comme ça, tant pis, même si c'est pas forcément la spécialisation du joueur remplaçant. C'est une façon de jouer comme une autre après. Hein. Je vois ça comme ça. Donc Mathieu Ligoul, donc il va jouer un milieu centre. Voilà, les milieux, par contre, là, c'est une horreur parce qu'il y a plein de trucs. Plein de trucs. Et là, c'est très long. C'est très très long. Donc, 12, 6. Ouais, bon, je vais pas forcément dire tout ce que je vois parce que ça m'intéresse pas forcément de vous le dire. Plutôt axial que que retrait. Ensuite, faut regarder hein, entre chaque. Plutôt un bon milieu récupérateur. Donc je vais me baser sur les stats du milieu récupérateur. Ensuite je passe de milieu récupérateur à milieu complet. M'étonnerait, oui, c'est ce que je pensais. Donc je repasse en récupérateur. Ensuite je vérifie avec meneur de jeu avancé. Alors 12, 12, 12, 15, 13, 9, 12, 6, 14. Et là c'est intéressant. Parce que là j'ai 6, 12, 9, 10, 14, 12. Hop, bah voilà, il va jouer un meneur de jeu avancé. Bizarrement je le verrais peut-être pas comme ça, mais bon. Donc oui, je vais laisser un. De soutien, bien entendu, ça me paraît logique. Alors, Benjamin Leclerc, on dirait pas comme ça. Là, il a des stats plutôt bonnes, mais pas extraordinaires. Dites-vous que c'est le meilleur joueur orléanais, tout simplement. Il a pas l'air comme ça. Si je dis pas de bêtises, il a été transféré du FC Nantes ou du RC Lens, je sais plus. Il me semble qu'il vient de Nantes et pas de Lens, ou alors il était formé dans ses premières années à Lens et après il est parti à Nantes et il est venu à Orléans. Enfin, bon, bref, c'est assez compliqué. Hein. Donc milieu axial, donc là bon, il est pas mauvais, surtout qu'il a sa stat de détermination, ça c'est une stat à garder, les tirs de loin, surtout, ça c'est sa grande force, ses tirs de loin. Il est très très fort pour ça. Moi je sais que j'ai plusieurs matchs où je l'ai déjà vu tirer à 30 mètres, mettre une transversale rentrante, c'est assez spectaculaire, bon, ça arrive pas souvent mais quand ça arrive, donc là toujours garder sa stat de détermination et ses tirs de loin. Donc là meneur de jeu très bien entendu, non. Là non plus. Je suis par élimination, donc milieu complet, oui. Et meneur de jeu avancé, non. Voilà, donc j'ai le choix entre, c'est simple, entre milieu complet et milieu axial. Donc pour le coup, vous voyez, je réduis un peu. Là, milieu axial, donc bon, c'est pas mauvais. Et si je mets milieu complet, pas mal de petites stats un peu défaillantes quand même. Mais. Là, parce que là, il y a ces stats-là qui sont un peu défaillantes. Mais ça n'empêche pas que ça lui rajoute des stats physiques. Milieu complet. Ça lui rajoute quelques stats physiques qui sont pas mauvaises chez lui. Donc je vais le laisser en milieu complet de soutien. Voilà. Même s'il n'est pas tout à fait complet, c'est pas grave. Alors, ensuite, on a les milieux offensifs. Alors là, il y en a pas. C'est pas compliqué. Vous avez 4 trucs. Ensuite, vous avez 2 sous-catégories. Donc il n'y a pas trop de sous-catégories. Ça va encore. Alors, ailier de soutien en général, c'est la chose la plus commune, on va dire. On va dire ça comme ça, ouais, c'est assez commun. Alors, bon, là, vous avez 13, 11, 13, 10, 11, 11, 12, 13, 10, 15. Plutôt pas mal. Ça, c'est moins bien. Déjà, ça se voit rien que sur les premières stats. Meneur de jeu avancé. Il est pas mauvais, mais c'est pas son truc, à mon avis. Ailier défensif. Marquage, tacle, voilà, vous avez trouvé, ailier, c'est pas compliqué. Et ensuite, on a ailier d'attaque ou ailier de soutien. Là, c'est plutôt ses tâches. Plutôt centré, hein, puisque bon, Coelho est plutôt bon en centre. Et si je lui dis d'attaque, bon, après, voilà quoi, il aura plutôt tendance à aller à la finition, même si c'est pas écrit comme une stat grisée, enfin, bleutée. C'est moins bon, vaut mieux le laisser centré. Ensuite, vous avez Aiglin, lui, c'est un peu différent. Il est quand même moins fort. Parce que lui, vous voyez, il a des bonnes stats. Enfin, il a des bonnes stats, mais c'est pas forcément celle qu'il faut utiliser. Donc, en tant qu'ailier, pas mauvais. Voilà. Plutôt ailier qu'attaquant intérieur. Ça se sent. 11, 9, 10, 11, 8, 14, 9, 9, 12. Par rapport à ailier. Ailier, ça lui convient mieux. Ailier défensif. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça lui ira pas. Donc, ce sera un ailier de soutien également. Vaut mieux qu'il aille centrer après tout. Parce que après, oui, les joueurs, ils sont. Bon, il est moyennement rapide, on va dire. 12, 11, c'est pas énorme.
Coelho, il est à 12-15, c'est mieux quand même. Disons qu'il va mettre un peu de temps à accélérer. Par contre, il a une très bonne vitesse de pointe. Donc, en fait, une fois qu'il est lancé en contre-attaque, pour récupérer un ballon, c'est plutôt pratique. Si le ballon est lancé devant, il peut courir pour aller le récupérer. Ça peut être un atout. Et donc, nous voici avec le dernier joueur. Alors là, c'est compliqué, ça, c'est compliqué. Il y a 15 000 attaquants. Oui, l'attaquant, c'est le joueur où vous avez le plus de postes. Alors ça, c'est pas facile. Donc, vous avez donc 11, 10, 7, 11, 14, 6, 6, 11, 15. Voilà. En général, celle qui a le moins de trucs, c'est Renard des Surfaces. Voilà, il n'y a pas beaucoup de stats. En général, c'est des stats que à peu près tous les joueurs possèdent. Donc, on va passer en attaquant en retrait. Je vais pouvoir comparer avec attaquant avancé. Il est meilleur en retrait qu'avancé. C'est bon à savoir. En tant qu'attaquant pivot, il va jouer beaucoup de la tête. C'est pas sa spécialité. Par contre, vous avez Vio. Attendez, si je le passe ici, voilà. Lui, Vio, il est pas mauvais de la tête non plus. Bon, ouais, donc voilà, ça, si vous avez la flemme de changer, voilà, vous pouvez faire comme ça. Voilà, il a une bonne qualité physique, hein, il est très très physique. Donc lui, c'est plutôt un joueur sympathique à jouer. Donc plutôt retrait ou plutôt pivot. Plutôt finition, hein, quand même, il a quand même 14 en finition, c'est pas mal. Il vise plutôt bien. Après, donc il y a Renard des Surfaces. Alors là, Renard des Surfaces par rapport à l'attaquant en retrait. Ça, vous avez 11, 10, 14, 12, 14, 15, 13, 11, 14, 12. Plutôt pas mal avec lui. Plutôt pas mal. Donc Renard des Surfaces plutôt. Ensuite, vous avez attaquant complet, c'est le joueur qui possède pas mal de stats. Alors lui, bon, il pourrait presque être attaquant complet. Hein. Tout simplement, il fait chier un peu tout le monde, mais partout. Attaquant défensif. En général, c'est très rare de voir des attaquants défensifs. C'est très très rare. C'est pas forcément les mieux. Vous avez l'attaquant de soutien, celui qui vient donner des petits coups de main de loin. Bon, voilà, c'est pas mauvais, mais sans plus. Bon, bah écoutez, je vais laisser en Renard des Surfaces, et là par contre, de l'attaque, hein. Il n'y a pas le choix, hein. De toute façon, il est disponible uniquement avec une tâche offensive. C'est le mec qui vient rentrer dedans. Voilà, donc on a réussi à faire tout ça. Donc maintenant, on va aller voir les joueurs un par un, parce qu'il y a l'entraînement collectif, mais il y a aussi l'entraînement individuel. Voilà, donc vous pouvez choisir le type d'entraînement spécifique. En dessous, vous avez la charge de travail. Si le joueur il gueule un peu, c'est écrit là. Ou là, je sais plus. Il me semble que c'est là. Donc lui, Thomas Renaud. Donc je vais retourner sur cette page là. Qu'est-ce qui lui manque? Faut regarder un peu les stats qu'il a un peu faiblard. Ou alors essayer d'en augmenter une un peu plus que les autres. Donc il manquerait de sang-froid. Sang-froid aux sorties aériennes. Ok. On va aller, hop là. Sang-froid aux sorties aériennes. Ok, donc normalement il y a 100 francs en général. Voilà, donc 100 froids. Ok, voilà. Donc maintenant c'est un entraînement individuel qui prend 10%. Donc c'est pas énorme, mais il va travailler plus cet aspect de son jeu. Ensuite nous avons Senati. Alors Senati, lui il faudrait qu'il augmente ses tacles, sa détermination. Alors tacle et détermination. Voilà, faut faire ça à peu près par rapport à ce qu'il en manque en fait. Donc tacle, détermination. Il me semble pas qu'il y ait de tacle. Et ça c'est pas pratique parce que. Si. Parce qu'il n'y a pas forcément tous les trucs en fait. Et ça c'est. C'est moyen moyen. Alors lui on a Ligoul parce qu'il va jouer au centre. Donc lui il faudra que je lui demande aussi de jouer à un poste spécifique. Ça va encore lui bouffer plus de temps mais c'est important, c'est très très important. Donc Michelot. Alors lui il manque les tacles. Voilà, c'est pas un bon tacleur. Par contre, pas l'attaque, c'est pas le défenseur parfait. Mais il est pas mauvais. Voilà, donc il va jouer en tacle. Grégory Thomas, toi il faut que tu t'entraînes à pas mal de trucs. Donc s'il y a marquage et s'il n'y a pas marquage, et par contre je suis quasi sûr qu'il n'y a pas marquage, on sera au tacle. Alors marquage. Non, il n'y a pas marquage, donc on va le passer au tacle. Voilà, c'est pour ça que c'est pas très très bien fait pour ce genre de choses. Julien Delonglet, alors lui, milieu défensif. Bah toi il te faut les tacles aussi, décidément. C'est pas des bons tacleurs. Hein. Nouveau poste, je vais te demander de jouer. Maintenant, toi, t'es, de toute façon, de base, toi, t'es plutôt déjà milieu défensif, oui, donc c'est bon. C'est ton poste de prédilection, il n'y a aucun problème là-dessus, donc je vais te demander de travailler tes tacles, s'il te plaît. Donc ensuite, nous avons Mathieu Ligoul. Alors lui, faut que je lui demande de travailler poste de milieu centre, en plus de style, créativité, et s'il n'y a pas... S'il n'y a pas passe. Style créativité ou passe. Je passe, je sais que sur Rome. Alors style créativité. Non, il n'y a pas.
Donc bah, il va s'entraîner aux passes. Voilà, tu vas t'entraîner à faire des jolies passes, bien propres. C'est un truc de débutant presque. Alors lui, bon, c'est bête hein, ce que je vais dire, mais il faut pas l'entraîner sur ses faiblesses. Il faut l'entraîner sur les tirs de loin. Plus il va progresser sur les tirs de loin, ensuite vous lui demandez en jeu de beaucoup tirer de loin. Et ensuite, bah, il vous met plein de mines et plus il a de points, plus il est précis, donc mieux c'est. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et voilà, donc après, il est... l'état de santé. Oui, non, voilà, c'est ici qu'il est plus. Si il met nous mettre qu'il est satisfait ou non de son programme d'entraînement. Voilà. Et là, c'est le rapport de Cyril Rosa. Donc, Guillaume Coelho, alors. Guillaume Coelho, toi, tu as des lacunes en appel de balle, en équilibre. Mais je vais te demander de travailler tes centres. Parce que tu as beaucoup centré. Faut regarder ses faiblesses, mais faut aussi regarder vraiment l'utilité principale du joueur. Alors là, ce serait sa vitesse, ou son, enfin plutôt son accélération, ou ses centres. Je vais plutôt lui demander de bosser sur les centres. Je pourrais lui demander de bosser la vitesse. Je vais faire exactement la même chose pour Eglin. Je sais très bien qu'il est très mauvais, enfin très mauvais, pas très bon au centre. Il est pas mauvais Eglin, mais pas bon aux endroits où il faudrait, quoi. Voilà, donc je te vais t'entraîner au centre. Cassie Ouedraogo. Alors lui, Cassie Ouedraogo. Voilà. Toi, il faut qu'il t'entraîne. Tu vois qu'il t'entraîne. Il faut que tu t'entraînes à dribbler. Il me semble qu'il y a les dribbles. Et s'il n'y a pas, au pire, je te mettrai finition. Il me semble qu'il y a les dribbles. Voilà. Tu vas t'entraîner au dribble. Ensuite, je fais un truc bête. Vous allez voir. Je vais remplacer les joueurs un par un. Et je vais regarder les faiblesses du joueur à ces endroits. Alors, il est un peu jeune, donc c'est normal, il manque pas mal de trucs. Mais alors, ce serait plutôt autorité, sortie aérienne. Et ensuite, je repasse le joueur, bien sûr. Et là, vous voyez, il joue en gardien junior, lui, c'est pas le même programme. Alors, j'avais dit sortie aérienne ou autorité. Ça m'aide pas beaucoup, là. J'ai ni l'un ni l'autre. Agilité ou sang-froid, allez. Soyons fous. Agilité ou sang-froid. Agilité, nickel. Allez hop, ça on emballe. Ensuite on remet le gardien titulaire, bien sûr. Romain Viau. Alors lui on va faire comme s'il était défenseur droit. Et alors quand on est défenseur droit, défenseur latéral, oui. Et automatique, non, je vais te mettre soutien, histoire de dire. Toi, t'as des lacunes partout. Défense alors plutôt. Voilà. Et on va dire donc des tacles. Voilà. Je suis en train de retourner au tacle. C'est honteux hein, son niveau de tacle, mais bon. On va faire avec. Non pas les têtes, j'ai dit les tacles. Si je clique sur les têtes, pour me servir à grand chose, c'est plutôt lui qui devrait les centrer. Enfin, vu son niveau, ce sera pas lui, mais bon, ça. Voilà, hop, tu repasses en R3. Parce que je peux pas les. Enfin, je peux pas voir ce qui leur manque après. Buteur donc pour Vincent Lema. Alors pour Lema, il te manque oh, sans aucun problème, toi c'est les dribbles. Okay. Oui voilà, je disais qu'il était bon de la tête encore. Oui, non, ça a bugué tout à l'heure. Je voyais encore les stats de Cassie Ouedraogo. Oui voilà, il a 16 en tête et il a 16 en saut, donc c'est pas un joueur extraordinaire, mais c'est un très bon joueur aérien. Très très bon joueur aérien. Et je vous le conseille. Je vous le conseille grandement si vous en avez besoin. Donc agilité, je vais lui demander de s'entraîner à l'agilité. Parce que si je le fais rentrer, lui pour le coup je change. Je mets bel et bien attaquant pivot. Alors agilité, pouf. Voilà. J'aurais pu mettre la vitesse aussi, parce que ça. Bref. Ouais, quoique, je vais lui mettre la vitesse. Hein. L'agilité. Plus sérieux, c'est rapidité l'entraînement. Voilà, s'il peut gagner un peu en vitesse après, s'il a besoin de sprinter aussi pour récupérer une balle en contre-attaque, parce que moi je joue en contre, hein, je vous le rappelle, ça pourra lui servir. Alors Bijang, tu es milieu offensif gauche. Donc tu jouerais à sa place là. Eh, tu n'es pas très bon Bijang, tu n'es pas très bon, tu es rapide mais tu n'es pas très bon, donc toi tu vas t'entraîner au centre. Voilà, donc c'est pour ça, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, et je crois que je vais vous laisser déjà là comme ça, en plan... Juste en ayant paramétré des matchs et des entraînements. J'aurais pu couper pour vous laisser un peu. Mais bon, j'ai dit, en même temps, c'est aussi que vous puissiez apprendre hein, si vous ne savez pas jouer au jeu et vous le possédez. Alors, je dis pas que je suis un pro, hein, ça, loin de moi l'idée. Mais ça peut vous servir.
ça peut vous servir si vous savez pas trop comment jouer au jeu. Après tout, hein, j'ai envie de dire, ça arrive à tout le monde. Alors lui, il manque vachement de puissance pour le coup. De puissance, bon, il manque de tout, lui. Oh là là, c'est un remplaçant de seconde zone. Donc puissance, et s'il n'y a pas, je mets marquage. Il n'y a pas marquage. Puissance ou placement. De toute façon, il y avait placement. Bah. Je suis même pas sûr que ça y soit. Puissance, si, voilà. Ça, c'est un peu une catastrophe ambulante, lui. Hop, voilà. Je préfère remettre de l'onglet, au moins c'est une valeur sûre. Bah écoutez, mine de rien, ça fait un moment déjà que je tourne et puis bah je me dis, finalement, j'avance pas bien vite. Et on n'a toujours pas commencé notre premier match. Vous pouvez voir, voilà, c'est un jeu qui est assez long au début, mais dès le prochain épisode, on va tourner. Enfin, on va faire avancer le temps, on va dire. Parce que là, en fait, on a mangé un très peu de temps depuis le début. Voilà, donc copie de info générale, je me remets en stat. Alors, vous pouvez voir aussi, j'ai un Camerounais, un Bijang, et puis il vient du Burkina Faso, un Burkina Fasoné, je sais pas, un Burkinabé, ou un Burkinabé, j'aurais dit. Si, peut-être, c'est peut-être écrit. Si je. Non, c'est pas écrit. Il me semble. Bon, c'est pas grave. Il me semble que c'est Burkinabé. Et lui c'est camerounais, c'est plus facile. Et le reste c'est des Français. Vous pouvez voir le statut au club, moi j'aime bien ça. D'ailleurs avant de se quitter, on va se laisser comme ça. Voilà, je vais mettre par joueur. Voilà, je vais par exemple pour Thomas Renaud, vous avez donc sélectionné en tant que gardien de but. Numéro de maillot, c'est le numéro 1. Son nom, donc, info, donc s'il a une réaction, s'il est blessé ou s'il est suspendu ou quoi qu'est-ce. Donc son nom et son prénom. Sa position, son âge, ça c'est important. Pour un gardien, non, pas trop en fait, mais c'est important quand même. La valeur, donc ça, il vaut 18 000 euros sur le marché des transferts actuellement. Il peut diminuer ou augmenter selon ses prestations et selon s'il a attiré ou non, il est convoité par d'autres clubs qui font monter ses enchères. Son salaire par mois, j'ai décidé de regarder par mois, on peut choisir le salaire hebdomadaire, donc toutes les semaines, et le salaire annuel. Alors, ça fait des gros salaires quand vous mettez en annuel et ça fait des tout petits salaires. Quand vous mettez en hebdomadaire, alors moi je préfère laisser un salaire par mois, comme ça ça permet de se repérer par rapport à un salaire classique, j'ai envie de dire, de gens lambda, après tout, puisque bon, en général, vous ou vos parents récupérez des salaires par mois, et non pas par semaine ou par an. Ou alors il faut bien gérer ses économies. Voilà, son type de contrat, donc ensuite, donc mi-temps pour la plupart, et donc là j'ai junior pour Bastien Ducamp, c'est pour ça d'ailleurs que je le paye que 170 euros par mois. Sa condition physique, alors, elle varie entre 0 et 100%. Je suis pas sûr que, bon, je suis pas sûr qu'elle puisse atteindre 0, parce que même un joueur blessé diminue pas en dessous de 25%. Allez. Le moral de votre joueur, ça c'est un facteur influençant sur les résultats et les prestations. Ouais, voilà, vraiment sur les prestations du joueur. Sa forme, donc là, mettre qu'il a besoin de temps de jeu afin d'être prêt pour la nouvelle saison. Après, il peut être en manque de temps de jeu, complètement en manque de temps de jeu, satisfait, en pleine forme, enfin bon, bref. Un truc, la fin du contrat du joueur, 2013-2011, là, vous pouvez voir, là, au mois de juin, alors il y en a, ce serait, il y a peut-être, c'est janvier. Le statut au club, donc ça, c'est selon son type de contrat, lui, c'est un contrat de soutien d'équipe première. Après, je peux changer le statut au club, mais ça ne plaît pas forcément au joueur, pour certains. Son meilleur pied, donc c'est droitier ou gaucher, pour certains, c'est ambidextre. Le nombre de cartons jaunes, les expulsions, la durée de la blessure, le nombre de fois homme du match. Sa nationalité, sa note moyenne sur les 5 derniers matchs, donc, petite note moyenne, c'est qui sur 10, et si il possède ou non un agent, et d'ailleurs, je sais pas si je peux appeler ça du bol, ils ont pas d'agent. Bon, écoutez, je pense que, oui, pourquoi je fais ça, c'était là que je voulais aller. Voilà, donc et ben, on va se laisser pour cet épisode, hein, parce que c'est déjà pas mal, hein, je vais faire un gros épisode, pour une fois je vais dire, non pas vraiment. Voilà, donc je vous laisse comme ça, ça fera 3 épisodes vraiment un peu d'introduction au jeu pour vraiment apprendre à jouer. Hein. C'est presque un tutoriel en définitive que je vous ai fait. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu et puis bah, on se retrouve sur une de mes prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde. Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girl.